à Paris. Putain, pourquoi j'ai dit Paname, c'est n'importe quoi. Putain. Je m'appelle Clem Chouteau et je suis chanteur, musicien, pianiste, guitariste et auteur, compositeur, interprète. Donc j'ai grandi dans un petit village dans le 41, dans le Loir-et-Cher qui s'appelle Jaune et maintenant ça fait environ 7-8 ans que j'habite sur Tours. Donc là on est dans mon appartement à Tours, boulevard Heurteloup. Et c'est là que je fais mes premières maquettes, que j'enregistre mes premières chansons, entre guillemets, avant de les envoyer en studio et les finir. Dans mes chansons, je parle, surtout dans mes chansons récentes, de l'arrivée à l'âge adulte. Donc je me mets à la peau, enfin en gros, entre guillemets, ma peau à moi, de quelqu'un qui a la vingtaine. Et donc il y a les premiers problèmes qui arrivent, mais aussi les premiers grands moments de joie, enfin voilà. Alors je pense à Mélancolique parce que la plupart de mes morceaux sont très, très mélancoliques tout simplement. Mais également dansant, il y aurait dansant parce que certains de mes morceaux, même s'ils sont mélancoliques, font quand même danser. C'est-à-dire que j'essaie de trouver des rythmes qui font vraiment bouger. Et nerveux parce que tout simplement il y a certaines chansons qui, voilà, où je parle vraiment de mes craintes perso, de mes peurs. Et voilà, c'est un petit côté un peu énervé que j'ai dans certaines chansons. Comme par exemple une chanson qui est sortie sur YouTube il y a un mois, deux mois maintenant, qui s'appelle Silence passe au miroir, qui est de nature assez nerveuse. Toujours ce silence passe au miroir. Et si cette nuit elle ne venait pas. La chanson qui me représente le mieux, c'est une chanson qui s'appelle Clocks du groupe Coldplay. C'est vraiment la chanson qui m'a donné envie de me mettre au piano déjà il y a maintenant une quinzaine d'années. Et c'est une chanson qui me suit absolument partout. Et ma chanson personnelle que j'ai écrite qui me représente le mieux, c'est tout simplement ma dernière chanson qui s'appelle « Tes yeux se posent sur moi ». J'ai composé ça à la base pour la Saint-Valentin pour ma copine. Il y a plein de gens qui me disaient « il faut absolument que tu la sortes », donc je l'ai sortie. Un instant, 50 ans, tu verras. Ça se passe souvent la nuit déjà parce que je suis quelqu'un de très nocturne de base. Je commence à composer quelques accords, je commence à créer une mélodie. Après il y a le chant qui vient. Ensuite je vais sur l'ordinateur et je commence à mettre des sons de batterie, je commence à mettre des sons de synthé, des sons un peu électro et des sons de basse évidemment, des guitares. Alors mon meilleur souvenir de concert, je dis pas ça parce que je suis tourangeau, mais c'était à Tours. C'était le 21 juin 2019, c'était lors de la fête de la musique. Et à l'époque, j'avais un groupe qui s'appelait The Lunatics. Je me souviens, c'était au carré de Place Plume à 22h, donc c'était énorme parce qu'il y avait pratiquement un millier de personnes, c'était incroyable. Et la meilleure expérience musicale que j'ai eue, ça reste encore The Voice, il y a 3 ans. Je suis passé vers 1h du matin, le tournage il se finissait à 1h15, je suis vraiment passé en dernier. Je me suis dit, on chante, de toute façon, ils vont pas se retourner, je m'en fous. Quand je me suis rendu compte qu'il y avait au moins trois coachs de retourner, je me suis dit, mon avis, je pense pas que je revivrai un truc pareil d'ici plusieurs années. J'ai sorti déjà un premier morceau il y a un mois maintenant, qui s'appelle donc « Tes yeux se posent sur moi ». Et je suis en train de travailler actuellement avec mon producteur, sur le prochain titre. Je ne peux pas encore dire le nom de la chanson. Mais qui sortira normalement, si tout se passe bien, d'ici fin mai, début juin. Et évidemment, je fais quelques concerts pour tester, entre guillemets, mes chansons. Alors, vous pouvez me retrouver absolument partout, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitch, même si je fais rarement des lives. Je poste aussi sur YouTube beaucoup de vidéos en ce moment, dont une web-série j'ai commencé, qui s'appelle « Juste devant vos yeux ». Et vous pouvez retrouver ma musique, donc, absolument partout pareil, sur ma chaîne YouTube, sur Spotify, iTunes, Deezer, toutes les plateformes de streaming inimaginables.